C'est un prouesse technologique, écologique et architectural que la société Snøhetta va mettre au jour près de la petite ville de Bali, à l'extrémité sud de la Norvège. Déjà connue entre autres pour la réalisation de l'Opéra d'Oslo, ou le premier immeuble à énergie positive à Porsgrunn, Snøhetta a dévoilé sa dernière création, le restaurant indé. Ce projet unique en Europe à près de 5 mètres de profondeur, permettra de recevoir entre 80 et 100 convives, avec une vue imprenable sur les fonds marins de la mer du Nord. L'immense baie vitrée, 11 mètres sur 4 mètres, sera en acrylique, plus résistante que le verre. La lumière tamisée à l'intérieur du bâtiment aidera à mettre en scène la faune florissante sur le banc de sable extérieur. Le restaurant sera également un centre de recherche sur la faune et la flore sous-marine et la côte rocheuse du sud du pays. La partie submergée deviendra au fil du temps un récif artificiel de moules notamment et attirera plus de vie marine. Les équipes de recherche interdisciplinaires étudieront la biologie marine et le comportement des poissons. Les chercheurs essayeront de créer des conditions optimales des fonds marins afin que les poissons et les crustacés puissent prospérer à proximité du restaurant. Le bâtiment d'architecture monolithique sera composé de murs épais en béton de 1 mètre d'épaisseur. Sa structure est conçue pour résister à la pression et aux chocs causés par les conditions de mer difficiles. Indé offrira une expérience sous-marine inspirant un sentiment de crainte et de ravissement, activant tous les sens physiques et intellectuels, s'en amusent les concepteurs. Un parcours d'information sera installé le long du chemin qui mènera vers le restaurant. Ce parcours informatif sera l'occasion d'expliquer l'histoire de la biodiversité marine et les spécificités de la côte norvégienne. À l'intérieur, le choix des matériaux en bois de chêne non traité est d'origine locale et se fondra dans les tons grisâtres du béton brut. Vous pourrez sentir un soupçon d'embrun frais et salé sur votre visage lors d'une journée de mer agitée. Vous me réservez une table pour 20 heures.